Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis devant Lidl de Lagny-le-Sec. Je vais aller faire un tour, voir les arrivages du jeudi. Donc nous sommes à Lagny-le-Sec dans l'Oise, hein, pas très loin du Plessis-Belleville. Allez, on commence par tout ce qui est appareil de sport. Là, on a des poignées d'appui pour entraînement intensif. Donc ils sont vendus par deux. Voilà, poignée d'appui, mais il y a également musclé. Voilà, pour un entraînement efficace des avant-bras. Alors ça, et puis on a un extenseur pour un entraînement efficace et complet. Vous voyez, on pouvait l'utiliser de différentes façons. Alors ils sont à 4,99€. Alors je continue avec les leggings, et les leggings, ils sont très jolis, regardez. J'aime beaucoup la couleur, on en a du noir, on en avait qu'imprimé hein, de cette couleur-là. On a couleur bordeaux, tout simple, avec une petite bande hein, au niveau au-dessus du genou, à 7,99€. Alors au niveau des tailles, il y a plusieurs tailles, hein, ça va de la taille S pardon, à la taille XL il me semble. Dans les mêmes imprimés, on a ici les brassières. Alors, on a un modèle comme ça. Vous voyez, tout simple. Et puis, on a ce modèle-là. Alors, en plusieurs couleurs. Hein. Là, c'est le dos. Ce que ça donne au niveau du dos. Ils sont à 5,99€. On a également ce modèle-là. Alors, ici, c'est des t-shirts techniques. Manches courtes. 3,99€. On les a en bordeaux et en noir. Je continue avec des combinaisons de travail à 19,99€. Là, il n'y a qu'une seule couleur en bleu. Alors, au niveau des tailles, hein, il y a plusieurs tailles. Alors, je vois du 44, mais je vois également du 50. 46. 42, il me semble que c'est 50 la plus grande taille. Hein. Voilà, ils sont à 19,99€. Je continue avec les baskets. Baskets de sport, hein. Elles sont assez légères. On les a en noir, on les a en bleu. 9,99€. Alors ça, c'est plutôt femme. On a des tailles, on a des petites tailles. Hein. 37, 38, 39. Juste à côté, on a des sockets de sport. Elles sont vendues par deux paires. On a cette couleur-là. On les a également en noir. Voilà, 2,99€. Pour hommes, on a les t-shirts techniques. Je vous en ai montré tout à l'heure pour femmes. Là, on a pour hommes. Donc, ça va de la taille L, S à la taille XL. On a du noir et couleur kaki à 3,99€. Là, c'est des shorts techniques. C'est exactement le même tissu. Short technique, on les a en noir. Il y a deux poches. On l'a en gris, mais on a également en kaki. À 4,99€. Juste à côté, on a des baskets pour hommes. Alors pour hommes, c'est plus par rapport à la taille. Il y a des grandes tailles. Elles sont à 9,99€. Les coloris sont différents. On a aussi cette couleur-là. Ici, on a des sweats à capuche. Alors on l'a en gris, en noir et en bleu. Là par contre il n'y a pas les prix, hein. Faut que je regarde sur le catalogue pour vous donner le prix. On a des gants techniques. Alors en noir ou en gris, hein, pareil, hein, je suis en train de regarder mais il n'y a pas le prix. Il va falloir que j'aille chercher un catalogue. Et on a des sweats également pour hommes en kaki ou en noir. Sweats à capuche avec des poches zippées sur les côtés. On continue avec les outils. Et les outils, on a des outils à frapper ou chasse ou poisson. Alors ici, par exemple, c'est des sets d'outils à frapper, 6 pièces. Là, on a des lames de scie circulaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, des sets de chasse goupille et poisson. Voilà. À 6,99€. On a ici une lampe de poche à LED à 5,99€.
vendu à l'unité et ça fonctionne avec des piles. Alors vous avez un flux lumineux hein, jusqu'à, enfin une autonomie hein, jusqu'à 3 heures, 150 lumens. Et si vous êtes, au minimum, vous pouvez la tenir à 5 heures. Alors je vais continuer avec ce pistolet à peinture. Alors ça franchement c'est un pistolet, moi j'aime beaucoup, on en a acheté un. C'est pas, pas de cette marque là, mais c'est super pratique. Donc vous mettez la peinture, ça c'est l'idéal si vous voulez mettre en peinture par exemple des meubles avec des rebords, enfin plein de petits, petits détails. Et je trouve ça super pratique parce que ça étale vraiment bien la peinture dans tous les moindres recoins. Et surtout ça laisse pas les traces de pinceau. Voilà, c'est 29,99€. Donc là, c'est le petit réservoir hein, où vous mettez la peinture. Par contre, ça, il faut le nettoyer à chaque fois, surtout si vous utilisez de la peinture de couleur. Alors, 400 watts, pistolet à peinture. Je vous laisse regarder un petit peu les caractéristiques. Et le prix, 29,99€. On a de la peinture, blanche pour intérieur. 8 litres, 56 mètres carrés. Excellence au niveau de la couvrance et 11,99€. Là, c'est de la peinture blanche et là, c'est 11 litres. 11 litres à 16,99€. Alors ça, c'est une peinture anti-moisissure et ça, c'est idéal. Au niveau de la salle de bain, vous voyez, autour des fenêtres également. 2,5 litres pour environ 17,5 mètres carrés. Blanc, elle est mate. Et elle est à 6,99€. Alors pour les peintures comme ça, hein, c'est si vous cherchez des peintures colorées, pourquoi pas prendre ça et acheter, vous voyez, les couleurs, hein, voyez les petites couleurs en tube. Et puis ça va vous permettre de doser, en fait, de choisir votre propre couleur. Parce qu'elles sont pas chères, 16,99€, 11 litres. Ici, c'est de la lasure. Lasure longue durée. En fait, la lasure, c'est un liquide qui va vous permettre de traiter le bois, enfin de protéger le bois. 11,99€ et celui-ci, voilà, pour l'intérieur et l'extérieur, résistant aux intempéries, laisse respirer le bois, se dilue à l'eau et pinceau pour peinture lasure, acrylique et aqueuse. Voilà, 11,99€. Là, il y a plein d'ustensiles pour la peinture. Justement, ça, c'est l'idéal si vous voulez repeindre des longs murs avec une hauteur. Alors, tout ça, il y a ça également. Deux rouleaux plus, vous voyez, une grille pour pouvoir, je dirais, essorer, pas essorer, mais voilà, pour pouvoir faire passer le pinceau et enlever le résidu de peinture. À 7,99€. Ah non, mais c'est vendu avec la barre. J'avais pas vu, je pensais que c'était vendu seul. Donc en fait, tout l'ensemble est à 7,99€. Donc la grille, les deux rouleaux et la barre. Alors je continue avec des accessoires pour peinture. Pardon. On a ici un vaporisateur universel, 1 litre. On a des l'entonnoir. On a également des pinceaux. Ça, c'est bien pour les meubles, les petites surfaces. Ou surtout les bords. Alors il y a le support à rouleau, puis on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pinceaux, dont un en mousse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est tout. Donc ils sont à 2,99€. Juste à côté, on a des ensembles de pinceaux. Alors je vois qu'il y en a des plats comme ça, 1,99€. On en a des longs également et légèrement inclinés, courbés. Ils sont à 1,99€. Que ce soit des longs, des petits. On a ici une ponceuse multi-support. Alors je vous laisse regarder un petit peu les caractéristiques. Et ça, c'est pas mal. Hein. Alors avec les pinceaux, avec la peinture, tout ce qui est bois, vous pouvez utiliser tout ce qui est bois. 1050 watts, volume du sac à poussière 25 litres. Pour les travaux de préparation des murs et des sols, des cloisons sèches et des surfaces en bois. 1,49€. Là, juste à côté, on a une scie sauteuse pendulaire. Scie sauteuse, je vois ce que c'est, pendulaire, pas trop. Puissance 800 watts, longueur de course 22 mm.
sillage rapide, coupe, courbe parfaite. Je pense que c'est ça, grâce à un mouvement pendulaire réglable sur 3 positions. Hein, vous allez pouvoir voilà, faire des arrondis tournés 24,99. Alors, on a ici des projecteurs solaires LED. Alors, ça fonctionne avec des piles. Ça fonctionne avec des piles et c'est à 8,99€. Alors, j'en garde un projecteur extérieur sans fil avec 6 LED puissante, environ 30 secondes, moins 21, ça supporte le froid jusqu'à moins 21 degrés. Ça détecte hein, jusqu'à 5 à 8 mètres. Je continue ici avec les lames pour ces sauteuses vendues hein, par paquet à 3,49€. Alors, je vais continuer avec les pieds de biche ou levier à effort, à levier d'effort. Alors pieds de biche, on a plus, mais il reste levier d'effort. Donc ils sont partis vite, hein, ils sont partis vite. Pourtant, je suis pas arrivée tard. Ils sont vendus par 4, je vous laisse regarder les dimensions. Voilà, et ils sont à 9,99€. Juste à côté, on a des cordes, la corde multi-usage. Alors on a celle-ci qui fait longueur 30 mètres et celle-ci qui fait 30 mètres également, sauf que celle-là elle est plus fine que celle-là. 5,99€. On a des mousquetons. Alors mousquetons, et j'ai vu également des manilles. Voilà, manilles ou mousquetons. Mousquetons, alors les vendus par 4, c'est des grands formats. Sinon, on a des plus petits. Ils sont vendus par 5. Ah, il y en a encore, il y a encore plus petits. Ça, c'est des manilles. 4,99€. On a ici des limes ou des râpes. Vendues 1 par 3 à 4,99€. 9,99€, on a des sacs de forêt hélicoïdaux. Alors on a vendu par 2, hein, 26 et 28 mm. Sinon vendu par 4 et c'est du 16, 17, 18 et 20 mm. Même qu'il y a d'autres tailles, ouais, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 9,99€. Ça, c'est des pinces pour mécanique de précision. Elles sont vendues. Alors, par 4, et c'est 4 pinces. Alors, on a une universelle, on a une coupante, il y en a une ronde, il y a une à bec plat. Voilà, 4,99€. Là, c'est des patins. Alors ça, c'est des patins. Alors on a des ronds, des carrés et puis on en a des plus petits en fonction de ce que vous voulez faire. Patin en feutre. Et là, on en a d'autres. Mais alors ceux-là, ils sont beaucoup plus épais. Ça, j'aime bien. Et on en a même des grands. En fait, c'est un grand format et c'est à vous de découper. 1,49€. Alors on a comme ça et là, c'est à piquer. Vous voyez, il y a un coup. Donc c'est carrément à planter sur le meuble, sous les pieds du meuble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des patins antidérapants et anti-bruit. Alors ce genre de patins, en fait, le meuble glisse vachement bien. En fait, moi je sais que sur le parquet, quand on a mis ça, c'est plus facile pour déplacer les meubles. Donc ça, c'est pas mal. Alors ça, c'est le contraire. C'est anti-glissant, ils sont à 1,49€. Qu'est-ce qu'on a là? On a des assortiments de joints toriques. 420 pièces. Et là, c'est un assortiment de joints d'étanchéité. Voilà, à 5,99€. Alors, je continue avec ce. Ça, c'est super pratique. D'ailleurs, je pense que je vais prendre panneau porte-outil. Donc, en fait, c'est 3 panneaux. Hein, ils sont vendus. Hein, c'est des panneaux en plastique. Je vais vous montrer. Et il y a plein de petits trous déjà faits. Et c'est vendu. Il me semble que c'est vendu. Je vais regarder, c'est vendu avec des supports. Donc à vous hein, de les mettre là où vous souhaitez pour pouvoir y accrocher bah, tout votre matériel, vos outils. Et ils sont à 6,99€. Alors je vais vous donner les dimensions par panneau. C'est-à-dire qu'après, il faut les additionner pour connaître la longueur du panneau, 49 par 30. Et l'épaisseur, c'est 1,4. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.